I'm not afraid of... Eh bien, salut à tous, bande de cochons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, en particulier au niveau du fitness d'un point de vue général, au niveau du sport. C'est super important, il s'agit du métabolisme. Donc, je vais vous expliquer tout d'abord qu'est-ce que les trois différents métabolismes qui existent. Et ensuite, on va essayer de définir lequel est le vôtre. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'hab, c'est pas trop le bordel aujourd'hui, mais c'est le bordel dans mes cheveux, donc faut pas non plus déconner. Fallait quand même que je rattrape ça. Alors, donc tout d'abord, qu'est-ce que le métabolisme? Donc le métabolisme, c'est la capacité qu'a votre corps à brûler des calories, donc à brûler, enfin à utiliser l'énergie que vous lui fournissez à travers les aliments que vous mangez. Donc voilà, c'est ce qui va vous donner le tonus sur la journée, qui va vous donner votre tonus musculaire et qui va vous permettre de vous développer tout simplement. Alors, je vais regarder un petit peu, j'ai ma petite fiche. On peut dire que le métabolisme, ça va définir plus ou moins votre silhouette, à moins que vous alliez à son extrême opposé. Par exemple, si vous avez un métabolisme lent, vous allez avoir tendance à prendre plus facilement du poids. Donc vous allez avoir tendance à être plus enrobé au niveau de la silhouette. Au contraire, si vous avez un métabolisme rapide, vous allez facilement perdre du poids. En fait, vous allez plus facilement utiliser de l'énergie, donc vous allez moins stocker de graisse. Et donc, d'un point de vue général, vous serez plus fin, plus affiné. Donc, en grande majorité, votre métabolisme sera défini génétiquement. C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez vos parents et vous saurez à peu près, vous pourrez savoir approximativement quel est votre métabolisme, s'il est plutôt rapide ou plutôt lent. Bien sûr, il faut voir leur hygiène de vie, parce que le métabolisme, même si vous avez par exemple un métabolisme lent, on va prendre l'exemple du métabolisme lent, donc qui favorise la prise de gras, même si vous avez un métabolisme, par exemple le métabolisme lent, si vous avez à côté un train de vie qui va à l'opposé en fait, enfin qui... dans votre physique va vous amener vers l'opposé. Donc par exemple, si vous avez un métabolisme lent mais qu'à côté de ça vous êtes super sportif, que vous faites très très attention à ce que vous mangez, etc., forcément vous n'allez pas avoir le physique qu'a quelqu'un qui a un métabolisme lent en ayant un régime et des activités plus normales, on va dire, entre guillemets. Donc votre métabolisme ne définit pas tout, bien sûr, et donc il est en majorité défini par votre génétique, mais il peut aussi être défini par vos habitudes. Donc ça va être les habitudes alimentaires, les habitudes de vie, donc par exemple le sport, et ces choses-là peuvent modifier plus ou moins votre métabolisme. C'est-à-dire que le corps, vous allez lui envoyer des informations, et s'il voit que vous lui donnez, que vous avez un métabolisme lent, et que vous lui donnez la nourriture en quantité, par exemple, il va se dire que ça sert à rien de faire autant de stocks de gras, et votre métabolisme va ralentir un tout petit peu. Mais ça, ça n'a pas réellement été prouvé, et du peu qu'on le sache, c'est pas extrêmement efficace. Donc maintenant, on va voir les différences entre les différents types de métabolisme. Donc vous avez trois types de métabolisme. Vous avez le métabolisme lent, moyen et rapide. Donc on va commencer par le métabolisme lent. Donc on a parlé juste avant, l'assimilation est plus lente et donc vous allez faire plus de stockage graisseux. Donc la prise de poids et de muscles est plus avantagée, mais vous aurez plus tendance à prendre du poids. Vous aurez une importante puissance instantanée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, sur un effort de courte durée, vous allez envoyer du bois. Par exemple, à la salle, si vous allez faire votre max, vous allez être plus efficace qu'un mec qui a un métabolisme rapide. Ça, c'est la théorie. Bien sûr, après, il y a aussi comment est-ce que chacune des deux personnes vit, etc. Voilà. C'est une approximativation, on va dire. Une approximation. J'ai rajouté des trucs en trop. Alors,
Et donc le physique aura tendance à être plus épais, on va dire. Ensuite, alors juste un petit détail, donc le métabolisme lent, on peut aussi dire qu'on a un métabolisme endomorphique, donc on est endomorphe. Donc ça, c'est un petit détail, hein, c'est juste pour donner les termes techniques, histoire de donner l'impression qu'on fait un truc scientifique. Ensuite, le métabolisme moyen ou mésomorphe. Donc ça va vous donner une bonne ossature. Donc là, vous allez avoir une bonne ossature et de bonnes fibres musculaires. Et vous allez être moyennement résistant à l'effort. En fait, j'ai pas tant détaillé que ça, le métabolisme moyen, parce qu'en fait, c'est juste ce qu'il y a entre les deux, entre le lent et le rapide, c'est juste moyen en fait. Et enfin, le métabolisme rapide, donc le métabolisme dit ectomorphe. Donc là, vous allez avoir des tendances à être plus mince, à perdre plus facilement du poids. Vous avez une ossature toute fine. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. J'imagine que vous voyez à peu près ce que c'est mon métabolisme. Donc vous avez tendance à avoir un poids plus faible. Encore une fois, les habitudes alimentaires et les habitudes d'activité peuvent faire varier ça. Même si un métabolisme rapide est très très efficace, vous allez, disons que j'ai l'impression qu'on a tendance à perdre plus de poids quand on a un métabolisme rapide qu'à en gagner quand on a un métabolisme lent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en métabolisme rapide, vous allez avoir plus de difficultés à prendre du poids. Et par contre, il y a quelque chose auquel il faut faire très attention avec ce métabolisme, c'est qu'il a tendance à changer avec les années. Donc quelqu'un qui a un métabolisme rapide, ses habitudes de vie vont vachement plus influencer son métabolisme que quelqu'un qui a un métabolisme lent. Ça, c'est très important. Parce que vous allez vous dire, ouais, ben, c'est pas grave, au pire, de toute façon, ça s'habitue juste à comment est-ce qu'on mange. Mais en fait, non. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un métabolisme rapide, vous allez peut-être vous dire, c'est bon, je peux manger ce que je veux. Vous allez manger n'importe quoi et vous n'allez pas forcément faire de sport. Le truc, c'est que le corps se dit, il nous donne énormément d'aliments et au final, on n'a pas besoin de tant d'énergie que ça. Autant ralentir le métabolisme. Donc là, le métabolisme va se ralentir. Vous allez prendre plus de le gras plus facilement et vous allez et voilà, vos traits vont un petit peu changer, on va dire. Sauf que si vous gardez cette habitude-là, donc une mauvaise habitude, des mauvaises habitudes de vie, vous allez prendre vachement de poids et la silhouette que vous aviez avant, vous allez très vite la perdre. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un piège et beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en régime sont des personnes qui autrefois étaient très fines. Ça, si vous faites un sondage, je peux vous assurer qu'une grande partie des personnes qui sont aujourd'hui en cas d'obésité étaient autrefois des personnes qui avaient un métabolisme rapide. Donc, ensuite, quand vous avez un métabolisme, on va finir avec le métabolisme rapide, après on va passer à la suite. Le métabolisme rapide, vous allez être plus résistant au froid. Mais ça, je trouve ça un petit peu bizarre, parce que en fait, ce que j'ai lu, c'est qu'en métabolisme lent, par contre, on avait moins de résistance au froid. Mais c'est assez illogique, en fait, parce que quand on a un métabolisme lent, on va prendre plus de gras. Et quand on a de la graisse, ça tient chaud. Donc du coup, on a moins froid. Donc c'est un petit peu con de dire qu'on est frileux alors qu'on a de la graisse. Donc je pense que ça, c'est juste au cas où, si jamais vous allez contre votre métabolisme. Donc si vous êtes assez fin avec un métabolisme lent, il y a des chances que vous soyez frileux. Après voilà, je donne juste ça comme info, mais moi ça me paraît un petit peu bizarre. Donc en métabolisme rapide, vous allez être plus résistant au froid. Donc là encore une fois, c'est un petit peu bizarre cette information-là, j'ai quelques doutes. Vous allez être plus énergique, vous avez une libido élevée. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, la libido en fait c'est ben, en gros si vous avez envie de ken toutes les 5 minutes. Ensuite, température, ah oui, donc température corporelle élevée et le rythme cardiaque assez élevé par rapport au métabolisme lent. Donc maintenant, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux métabolismes. Enfin, le moyen, on va juste l'évoquer en fait parce que c'est juste entre les deux. Donc le métabolisme moyen, ben, c'est moyen en fait. Donc le métabolisme lent. Donc, comme je l'ai dit précédemment, on a tendance à prendre plus rapidement du poids. Donc, ça, c'est un inconvénient. Mais l'avantage, c'est que on a aussi tendance à prendre plus de muscles. Donc, ça peut être pas mal. Donc, avec un méta, si vous avez un métabolisme lent, vous allez être moins adapté
au sport d'endurance. Donc vous êtes plus adapté à quelque chose qui va vous demander un effort physique instantané, comme je l'avais dit précédemment. Donc par exemple, ça peut être aller à la salle, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme ça, ça peut être peut-être du sprint si vous avez un physique athlétique malgré votre métabolisme qui a une tendance à vous faire grossir. Voilà, ça peut être, en fait, ça va être recherché, enfin, les sports dans lesquels vous allez être avantagé, ça va être des sports qui vont vous demander un effort instantané, mais pas forcément un effort très long. Donc par exemple, un marathon avec un métabolisme lent, c'est possible, c'est toujours possible bien évidemment, mais ça va être plus compliqué pour vous de vous préparer et de réaliser ce marathon que pour quelqu'un qui a un métabolisme rapide. Ensuite, donc du coup, ça engendre des conséquences d'avoir un métabolisme lent dans son habitude de vie en fait, c'est-à-dire que vous êtes un peu obligé d'avoir une bonne hygiène de vie, donc bien manger, enfin, en fait, ce qu'il faut, je sais pas s'ils conseillent ça souvent dans les régimes, mais il me semble que le plus efficace, et d'ailleurs je suis à peu près sûr que c'est vrai, enfin en fait j'en suis sûr, c'est qu'il vaut mieux, si vous voulez perdre du poids, il vaut mieux manger bien, mais en quantité normale, que de trop se restreindre, mais manger des mauvaises choses. Ça c'est super important. Il vaut mieux que vous favorisiez une bonne alimentation Il vaut mieux valoriser une bonne alimentation en quantité qu'une alimentation de mauvaise qualité en faible quantité. Voilà, c'est bon, j'ai réussi. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors, donc la température corporelle est relativement basse et vous allez être plus sensible au froid, même si ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Rythme cardiaque plus bas et peu de transpiration. Ça, on va y venir après. Donc, moyen. Ben, là, du coup, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, vu que c'est juste la moyenne entre les deux. Une bonne puissance musculaire. Pas de prise de masse importante. Pas de prise de poids. Pas prise de masse. Prise de masse, c'est un peu différent. Pas de prise de poids importante à court terme, mais il faut quand même faire attention, il ne faut pas vous dire que c'est bon, c'est la fête, j'ai un métabolisme moyen, je peux faire un peu ce que je veux, c'est bon, c'est comme les métabolismes rapides, je peux manger ce que je veux. Donc il faut quand même faire attention, parce que la prise de poids va être, en fait, elle ne va pas se déclencher tout de suite, mais elle va arriver d'un seul coup. C'est pour ça qu'il faut faire attention dès le début à votre hygiène de vie avec un métabolisme moyen. Et enfin, le métabolisme rapide. Donc là, vous allez être avantagé pour les sports d'endurance. Donc par exemple, ça va être la course, donc l'athlétisme, tous ces sports qui vont vous demander du cardio en fait. Donc vous avez tendance, j'ai mis tendance à ne pas grossir, mais ouais, c'est un petit peu ça en fait, c'est tendance à être plus fin. Donc par contre, comme je l'ai dit précédemment, il faut faire super attention car ce métabolisme peut évoluer très vite et donc la situation peut se renverser très vite pour vous. Donc il faut quand même prendre de très bonnes habitudes alimentaires et sportives quand on a un métabolisme rapide. Donc voilà, il faut manger, essayer de manger en quantité et en qualité importante quand on a un métabolisme rapide pour essayer de contrecarrer un petit peu ce problème qu'on a. D'assimiler très vite les aliments parce que sinon on va pas prendre de poids et ça nous met un petit peu j'allais dire en danger, mais c'est pas exactement ça, c'est que ça nous désavantage un petit peu dans beaucoup de choses. Donc voilà, il faut quand même essayer d'avoir une bonne alimentation et surtout une alimentation saine parce que c'est ça qui fait toute la différence. Donc où est-ce que j'en étais? Tout, manger en quantité, d'accord. Voilà, donc il faut essayer de favoriser, donc ça c'est mon point de vue personnel, donc là je vais juste parler pour ceux qui vont à la salle comme moi. Il faut favoriser des entraînements intensifs, très intensifs, parce que vous avez de bonnes capacités à récupérer en fait. Récupération musculaire et même au niveau de l'endurance et tout ça, vous êtes avantagé, donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire des entraînements très intensifs en réduisant les temps de récup, sans se blesser bien sûr, voilà, faut juste pas trop charger. Mais par contre, tant que j'y suis, dernière petite précision, évitez d'aller à l'échec, c'est-à-dire essayer de faire beaucoup de séries
avec pas mal de répétitions, disons 8-10 répétitions, mais surtout beaucoup de séries. Donc si à la première série vous sentez que c'est tranquille, vous prenez pas trop la confiance, chargez pas trop, parce qu'il vaut mieux que vous fassiez sur beaucoup de séries. Voilà, c'est mon ressenti. Et il me semble que les personnes qui ont un métabolisme rapide, du coup, ont peut-être le même ressenti corporel que moi. Donc c'est pour ça que je donne mon point de vue en fonction de mon expérience. Donc si ça peut vous aider, tant mieux. Si après c'est au ressenti, si vous trouvez que c'est pas assez efficace par rapport à une autre méthode de travail, bien évidemment revenez sur la méthode que vous préférez. C'est juste mon point de vue. Donc voilà. Donc ça je l'ai déjà dit aussi. Donc ah oui, alors un dernier truc par rapport au métabolisme, il peut aussi changer pour des raisons médicales. Donc là, ça va être des problèmes, par exemple l'hyper ou l'hypothyroïdie. Donc là, c'est des problèmes au niveau de la thyroïde qui vont vraiment dérégler très très fort le métabolisme du corps si il ou elle, du coup, je sais pas si on dit une hyperthyroïdie ou un hyperthyroïdie, je pense que c'est une, oui, ça paraît plus cohérent. Donc si vous avez une hyper ou une hypothyroïdie, ça va modifier votre métabolisme et si c'est pas soigné, pardon, ça va foutre un très très gros bordel dans votre corps. Donc voilà, essayez, si vous sentez qu'il y a des trucs un petit peu bizarres, essayez de voir ce que ça pourrait être. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur la maladie s'il y a des trucs dans votre corps qui correspondent pas trop, si vous identifiez à rien dans ce que je vous ai décrit des métabolismes, faites un petit peu de recherche sur cette maladie, on sait jamais, il y a quand même pas mal de personnes touchées. Ne vous alarmez pas, c'est peut-être pas non plus, c'est peut-être pas si grave que ça. Le métabolisme, c'est quelque chose qui est assez théorique pour l'instant. Pardon, même si il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus, on a beaucoup de théories, mais c'est pas tout à fait clair non plus. Donc voilà, c'est pas forcément grave. Alors, une dernière chose. Ah oui, donc quand on vieillit, ça c'est très important, on va avoir tendance à faire moins d'exercices. Même si on garde une même alimentation, on va faire moins d'exercices. Forcément, on est plus vieux, on commence à ressentir notre corps quand même. Et donc, le métabolisme va ralentir. Et là, il faut faire attention parce qu'il faut revoir ses habitudes alimentaires. Je sais pas si vous voyez, regardez un petit peu autour de vous, vos grands-parents, il y a beaucoup de grands-pères surtout parce que les grands-mères sont assez actives en général par rapport aux grands-pères, ça fait un peu cliché. Mais c'est assez vrai. Il y a beaucoup de grands-pères qui ont la bonne grosse bedaine quand même. Et quand on leur demande, quand ils étaient jeunes, ils n'avaient pas un physique comme ça. Donc c'est parce que leur métabolisme s'est ralenti et qu'ils ont gardé de bonnes habitudes alimentaires en mangeant quand même en grosse quantité. Mais en même temps, ils n'ont pas continué à faire de l'effort physique. Donc forcément, ça s'est fait ressentir sur leur corps et du coup, ils ont pris du gras. Donc si vous commencez à... Mais en fait, tout simplement en vieillissant, il faudra qu'au fur et à mesure, vous fassiez un petit peu attention à faire évoluer votre régime. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les métabolismes. Donc si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vais vous laisser sur ça. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'espère que vous appréciez ces nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas pour me donner votre avis sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut bande de cochons!